Ok. Impact médiatique oblige, pour promouvoir ce qui devrait à terme devenir de Bélesta à Serrabonne une très touristique piste des dolmens, c'est au rugbyman de l'USAP que l'organisme chargé de leur restauration a fait la passe. C'est vrai que c'est plus dur que le ballon, mais enfin bon, pour l'instant ça se passe pas trop mal. On va essayer de bien le placer dessus et transformer. Ouais, on va essayer de transformer, ça devrait bien se passer. Là. Mais l'intérêt de l'opération n'est pas seulement touristique. Aussi scientifique dans la mesure où en faisant ça, finalement, on arrive à retrouver non pas des méthodes, mais au moins certains gestes que les hommes préhistoriques devaient utiliser aussi pour pouvoir reconstruire ces dolmens. 150 de ces dolmens ont été recensés dans le seul département des Pyrénées-Orientales. Suffisamment pour constituer un nouvel attrait touristique une fois mis en valeur, ce patrimoine.